parler tout bagay. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagay? Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rete branché. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir Christéphane, bonsoir magistrat Julio Elisna, bienvenue dans l'émission On parle tout bagay. Bonsoir Marie-Carmel, bonsoir magistrat Elisna et bonsoir à tout le monde qui branché l'émission ça, on a dit bienvenue, nous content avec vous. Je profite de saluer nous et me saluer tous les téléspectateurs, émission On parle tout bagay. En fait, moi-même, je suis un juriste de formation, moi licencié en droit à la faculté de droit des sciences économiques de Port-au-Prince. Moi, j'ai une formation en magistrature, tout, diplômé à l'école de la magistrature. Après, j'ai fait deux maîtrises à la faculté d'ethnologie, une maîtrise en anthropologie sociale, une maîtrise en sciences du développement. Je fais une maîtrise également à la faculté des sciences humaines en population et développement. Je fais une maîtrise à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis en géographie. Pendant près de 3 ans, j'étais juge de paix suppléant à Carrefour. Après, jusqu'à présent, je suis substitut commissaire du gouvernement au parquet près le tribunal spécial de travail de Port-au-Prince. Entre-temps, j'ai enseigné le droit social à l'université de Port-au-Prince, à l'école de la magistrature et à la faculté des sciences humaines. Ah oui, amis téléspectateurs, nous, ce n'est pas n'importe qui monde qui est là, non, c'est un monde lourd. Hein? Parce que son cerveau qui l'a. Aujourd'hui, nous allons parler de droit du travail. Nous allons parler de est-ce que salarié haïtien connaît vraiment droit yo? Est-ce que employeur yo connaît yo et yo respecte droit employé yo vraiment? C'est ça sujet nous après-midi. Mais avant tout, nous rentrer dans le sujet, nous avons un petit briefing sur droit qui c'est ensemble de règles qui impose dans la société pour bonne marche li et qui sous pas respecter le tout que l'a sanctionné. C'est normal pour un pays marcher, pour une société marcher, faut toujours une sanction. Si pas une sanction, c'est la dérive. N'a parlé de droit du travail, est-ce qu'on peut parler nous en gros qui ça qui droit du travail la magistrat? Bon, droit du travail là, ils sont désignés ensemble de lois qui régit relation individuelle à collective de travail. OK, c'est-à-dire entre patron et travailleur salarié. En gros, ces définitions, ça généralement que bail de droit du travail. Oui, parce que nous connaissons droit du travail là, il servit nous d'équilibre entre employeur et employeur là vraiment. Oui, il est même là pour le régir au rapport du travail. OK? C'est ça même, c'est l'objet principal droit du travail là. OK, ensemble de lois et nous dit que qu'on y a là un code du travail que nous avons gagné depuis 1961, qui était actualisé en 1984. C'est lui-même à ce jour qui réglementait les relations du travail entre patron et travailleur salarié. OK. Parlez-nous de l'évolution du droit du travail. Bon, le droit du travail, là, lui-même, il évolue. Il évolue, ça montre que la nécessité de remonter le cours de l'histoire. Par exemple, depuis l'Antiquité gréco-romaine, qui est en gagné un droit du travail. Mais le droit du travail qui nous a gagné à l'époque, là, c'était réglementer le rapport entre maître et esclave, surtout. Eh bien, l'ennemi entre dans le Moyen-Âge en Europe, pour aller toujours gagner un droit du travail, pour aller gagner des relations de travail qu'on a entre seigneurs, entre chevaliers et serfs. Maintenant, après la révolution de 1789, nous allons assister au triomphe de l'idéologie libérale, le libéralisme triomphant. Et du coup, les relations de travail pour aller profondément modifier. Qu'on y a nous pas le passé. Si pendant l'Antiquité gréco-romaine, nous avons des rapports de travail de type esclavagiste, pendant le Moyen-Âge, nous avons gagné des rapports de travail de type féodal. Et finalement, avec le triomphe de l'idéologie libérale, on est passé des rapports de travail de type libéral et féodal à des rapports de travail de type, si l'on peut dire, capitaliste. En gros, c'est ça. Ça, c'est sur le plan international, mais sur le plan national, tout. Et le droit du travail noir, il y évolue. Depuis les que espagnol yo vini na espagnol là yo té imposé té créé une relation de travail qui était plutôt une relation de travail de type esclavagiste a commencé avec amérindiens yo les autochtones les indigènes leur commencé à partir de 1503 à venir avec des contingents d'esclaves al point esclaves en Afrique une venir en Amérique particulièrement à espagnol là alors après nous parlons de la colonisation française
avec le traité de Ryswick, l'Espagne pour aller la France le tiers occidental de l'île en 1697. Mais déjà, il y a une présence colon français à Saint-Domingue. Au point que, à partir de 1685, le roi Louis XIII a pour le promulguer un code qui aurait le code noir. Code noir, là, il peut représenter l'instrument juridique du système colonial esclavagiste. Et par la suite, près d'un siècle plus tard, nous avons gagné l'ordonnance du 3 décembre 1784 qui a pour objet, en quelque sorte, combler la lacune qui était gagnée dans le code noir. Là. Mais peu importe que c'est l'ordonnance du 3 décembre 1784 que c'est le code noir, il a tout à déconstitué le cadre normatif du système colonial esclavagiste. Au mois d'août 1791, nous avons gagné le début de la révolution haïtienne avec le soulèvement général des esclaves dans le Nord. Esclaves étaient levés campés au nom d'un seul principe, liberté ou la mort. Bon. Alors, comme Saint-Domingue a une grande importance pour la France n'a pas d'accord perdu. Il n'est pas obligé de voir des commissaires civils. Les commissaires civils, tant que Paul Vérel, tant que Hélo, particulièrement Santonax, eh bien, les arrivés dans la colonie, les lectures qu'ils ont pas le faire, ils ont pas le voir que, faut qu'ils composent avec esclaves. D'ailleurs, c'est esclaves seulement qui étaient fidèles à la France. Les autres groupes sociaux, qu'il s'agisse des blancs, qu'il s'agisse des libres de couleur, ils ont littéralement tourné le dos à la métropole. Parce qu'il y a de nouvelles valeurs qu'on y a à métropole là pour défendre. Valeur que nous pouvons joindre dans la déclaration du 26 août 1789, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que justement, blancs et surtout étaient plutôt de tendance royaliste. Ils n'ont pas retrouvé une valeur républicaine. Et bien, quand les commissaires sont venus, ils sont venus avec des proclamations. Ils sont obligés de mettre en place tout ce qu'on appelle généralement des règlements de culture. Et bien, règlements de culture, là. Règlement de culture que vous pouvez mettre en place sur, pour très largement contribuer au développement du droit du travail haïtien. Si avant 1791, on avait des rapports de travail de type esclavagiste, avec la promulgation des règlements de culture, on va passer des rapports de travail de type esclavagiste à des rapports de travail de type féodal. Maintenant, en 1804, nous proclamons l'indépendance, nous, c'est le début de la période nationale pour algon changement, toujours dans le droit du travail. Là. Nous pouvons passer des rapports de travail de type féodal à des rapports de travail du type semi-féodal. Semi-féodal pour qui ça? C'est parce que justement dans les centres du urbain, on n'a pas besoin des rapports de travail qui plutôt ont un caractère capitaliste. Mais féodal, surtout en milieu rural, on a pensé à l'exemple. Bagayo, les demoitiers. Demoitiers, c'est qui ça lié? C'est un nègre qui travaille en terre parce que le bagayo est un travail là pas pour lui. Et comment on paye? Il n'y a pas payé en espèce, il y a plutôt payé en nature. Parce que c'est récolture qui peut le séparer, bah, qu'on est capable, un tiers, deux tiers, 50-50, ça dépend, entre propriétaire foncier, maître terre et cultivateur, là. Bon, pas le gagner, occupation américaine qui va commencer en 1915. Déjà, les États-Unis se présentent comme une nouvelle puissance impérialiste. Depuis notre cadre politique Monroe, pour nous venir tomber dans le cadre politique bistique soutenu par le président et Theodore Roosevelt, Américains affichaient clairement ambition yo pour gagner contrôle le continent américain, particulièrement zone méditerranée, ça que le bassin caraïbien, le conseil va occuper militairement des pays comme Haïti, République dominicaine, Nicaragua, etc. Ah ben dans pays côté rentré là, yo toujours voulu que cadre normatif là li plus ou moins adapté à ça que eux même y a défendre comme idéologie économique, idéologie politique. Il y a un sens pour commencer à gagner des lois par exemple qui pourraient parler de répartition du travail en trois tranches de 8 heures. Il pourraient commencer plus ou moins plaider pour que les gens aient le travail, les payer en espèces, etc. Bon, depuis l'occupation américaine, il y a de nouvelles lois qui apparaissent. En 1946, le président estimé élu président, de, estimé élu président d'Haïti pour gagner de nouvelles lois, pour gagner de nouvelles lois à caractère social. Ensemble de, par exemple, liberté syndicale, le droit de grève, le repos hebdomadaire, toute loi sortie qui a commencé sous président estimé. Quand il y a François Duval est venu président en 1957, quelques 4 ans plus tard, soit en 1961, il pourra compiler ensemble de lois et venir avec de nouvelles, il pourra faire ce qui est le Code du travail Dr. François Duvalier. Le Code du travail Dr. François Duvalier a été élaboré entre septembre et octobre 1961. Ok, 1961, quand il y a 1984, pays a entre-temps, il y a certains changements, des mutations économiques. Entre-temps, il y a de nouvelles conventions de l'OIT. Donc, il était nécessaire pour nous adapter le code du travail nous, à ensemble de réalités. Et ça fait qu'au mois de février 1984, il y a actualisé le code du travail. Docteur François Duvalier connaît qui c'est le code du travail actualisé. C'est lui-même à ce jour qui, plus ou moins, qui, en fait, c'est lui-même qui représente le socle. Aucun cadre légal, cadre normatif des relations de travail en Haïti.
Alors, c'est comme ça, en gros, que nous sommes capables de tracer de manière sommaire l'évolution du droit du travail. Oui, comme nous connaissons magistrat, contrat de travail là, c'est fait entre deux mondes, c'est employé et employeur là. Parlez-nous un peu de relation de travail. Ok. Alors, là, nous parlons de relation de travail et à la lumière des dispositions du Code du travail, comme bagaille pour nous connaître. Relation de travail, ça n'est pas un bagage qui n'est pas concerné les gens qui sont dans le secteur public. Il concerne exclusivement les gens qui travaillent dans l'entreprise privée. Le Code du travail a fait pour les gens qui travaillent dans l'entreprise privée. Donc, si vous travaillez dans l'État, dans le ministère, dans le secrétaire d'État, dans l'ONA, dans l'AVC, vous n'êtes pas concerné par le Code du travail. Le texte qui concerne nous, c'est la loi sur la fonction publique. Eh bien, le Code du travail là, il est plutôt réglementé aux relations individuelles et collectives de travail. Mais il parle d'un pile bagaille. Il parle par exemple de conditions de travail, il parle de conflits de travail, il parle de syndicalisme, il parle de. Les types de contrats aussi. Les types de contrats. Alors oui, c'est ça, avec même, il commençait. Contrat de travail. Eh bien, dès que mon monde travaille avec un monde, nécessairement, il y a un contrat de travail entre eux. Ça qui t'avait dit que le contrat de travail, là, il est capable d'écrit, il est capable de verbal. Mais pas de monde qui travaille en monde sans avoir un contrat de travail. Et pour gagner un contrat de travail, il y a trois éléments qui peuvent paraître. Il doit gagner une prestation de service qui est fournie. Ces travailleurs-là, ils ont un service libre. Il doit gagner un lien de subordination. C'est-à-dire que le travail est sous contrôle employeur là. Et finalement, il doit gagner une rémunération. Oui, qui c'est salaire. Salaire. Donc, si un élément ne va pas là, ou pas en présence d'un contrat de travail. Alors, nous disons que le contrat de travail est capable d'écrire, il est capable verbal, il est capable individuel, il est capable collectif tout. Les liens individuels, ils concernent un patron à un salarié. Les liens collectifs sont contrats qui plutôt conclus entre des organisations syndicales et des organisations patronales. Bien entendu, chaque gain est fait. Le contrat individuel, il concerne le patron avec le travail qui est conclu là. Mais le contrat collectif, là, il se trouve qu'il est capable d'engager des mondes qui n'ont pas parti au contrat, qui n'ont pas le contrat conclu. Vous comprenez? Mais malgré que n'ont pas là, le contrat a toujours produit effet à eux-mêmes. Ça est seul contrat collectif là qui gagne fait ça. OK, bon contrat de travail là lui-même, il conclut certes, il doit écrire, il doit verbal, il doit avoir durée tout. Il doit à durée déterminée, il doit à durée indéterminée. Selon que contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, il y a des effets spécifiques à lui-même. Par exemple, la durée déterminée depuis durée à bout, il prend fin automatiquement. Mais l'elle à durée indéterminée, si on parti veut mettre bout à vel, il y a une obligation pour le bailleur l'autre là en préavis. Oui. OK. Pour le bail prestation légale. Bon, oui, prestation légale bien entendu. OK. Mais surtout notion préavis là, il occupe une place centrale lorsqu'on a étudié la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée parce que parti qui veut remplir il y a pour le bailleur l'autre là, il y a préavis. Alors, article 45 code travail là, il détermine façon pour capable calculer préavis. Là. OK, et puis 44, 43, 42, etc. Et pas, mais déterminer, parler de préavis. Mais préavis n'a pas joué dans tout cas, non? Par exemple, si il travaille, il a le fautif, il a un monde, ou bien il était soustrait frauduleusement, un bagage pour un monde dans l'entreprise là, il doit mettre fin à un contrat sans préavis. De la même façon, si patron, par exemple, il a gagné un comportement inacceptable, comment dirais-je, des propos outrageants à l'égard du salarié, le salarié doit mettre fin à un contrat sans que il n'y ait pas d'obligation pour le bail préavis. Ça, c'est très, très important. Dans le magistrat, dans le cas que mon âme démissionné, moi, en pile entreprise fait ça, mon âme démissionné, il n'y a pas payé le préavis. Alors que mon âme a 15 jours, et puis il n'y a pas payé le préavis. Pour qui ça même? Bon, préavis, il n'est pas toujours payé. D'ailleurs, un préavis, ouais, préavis, c'est avisé à l'avance. Oui. Moi-même, comme salarié, en fonction du temps de service que je fais dans l'entreprise, je vais annoncer que je vais démissionner. Vous comprenez? Et alors, si c'est le salaire qui décide de démissionner, et pas le patron qui met fin à service, li, au contraire, c'est lui-même qui est à Dubaï, le patron en préavis. Parce que préavis, ce n'est pas le patron seulement pour ouvrir, non? Ouvrir pour le patron. Oui, mais tout. Le bail 15 jours là, parce que c'est au décalé rémunéré. Non, il y a rémunéré, il y a 15 jours. 15 jours, il fait le travail. Il y a payé. Il y a payé 15 jours de travail là, mais non, pas payé le préavis. Souvent, l'entreprise n'a pas payé, magistrat. Bon. Malgré 15 jours, mon bail comme préavis. Oui, mais durée préavis, oui, durée préavis, il n'y a pas toujours 15 jours.
Durée minimale là, bien entendu, est 15 jours. Mm-hmm. Durée maximale là, est 4 mois. Alors, il y a plusieurs fourchettes. Il y a 15 jours, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 4 mois. Il y a 3 mois, il y a 4 mois. Mm-hmm. Au-delà de 10 ans, c'est 4 mois. Oui. Mais de 6 à 10 ans, c'est 3 mois. De 3 mm-hmm. à 6 ans, c'est 2 mois. OK? Etc. Il y a plusieurs durées possibles. C'est l'article 45 du Code du travail là, qui détermine. Mm-hmm. Préavis, elle pas toujours le dit l'argent. Oui. Préavis al souvent et le plus souvent ça même qui dans tête législateur là délai congé li plutôt vle dit annonce mm-hmm. c'est que parti qui veut mettre fin à contrat gain pour obligation pour annoncer l'autre là. Alors bien entendu vous connaît que gain pile problème qui gagnait en parti en présence sur patron avec salarié généralement pas toujours bien imbu de ça que code du travail là lui-même est dicté de manière impérative. Ça c'est une deuxième bagaille. En plus, on a tout surtout qu'on doit avoir un conseil d'avocat. OK? La fin de la bagarre est beaucoup plus difficile. On doit agir parfois avec poser en marge de la loi. Vous comprenez? Les dispositions légales n'ont pas toujours respecté. Alors, il est toujours bon que, et ça fait, moi, félicite l'initiative Maître Carmel et sa collaboratrice, bien entendu, pour nous faire un genre de travail, ça y est, une façon pour nous capable former la population. Hein? OK, ça plutôt entre une dynamique de sensibilisation et de formation, ça très important. Oui, magistrat dans mon fond il parler de CUI qui c'est contrat international. Vous vous donner pour ta fond il parler de lui, s'il vous plaît. Tu veux pas pour moi CUI. Oui, c'est-à-dire contrat unitaire international. Il fait partie de type de contrat yo qui gagne. Bon, bien entendu, sur le plan international, gain un nombre variable de contrat de travail. Mais nous-mêmes, sur le plan national, le Code du travail a déterminé qui type de contrat que nous avons. OK. Et on peut avoir deux grandes catégories de contrats. J'aime ce dit d'ailleurs, c'est le contrat individuel et le contrat collectif. Oui. Mais pour le contrat individuel, là, il y a des variantes. Il est capable d'écrire, il est capable de verbal, il est capable de durée déterminée, il est capable de durée indéterminée, il est capable de tacite. Oui, ou express. Oui, tacite ou express. Mais finalement, on peut voir que c'est deux grandes catégories de contrats individuels qui gagnent. Et soit l'écrit ou soit le verbal. Parce que contrat tacite là, finalement, son contrat verbal que lié. Parce que contrat tacite là qui s'est lié, son contrat qui au départ qui était écrit. Là, il est arrivé, parti, paré, font l'autre contrat écrit. Alors que vous continuez à pédaler sous même condition déterminée au départ dans le contrat. Donc, contrat qui était écrit à l'avis verbal par l'effet de la tacite que conduction. Oui, magistrat. Alors, c'est un contrat verbal et écrit. Oui. Faut souvent. Employeur pas respecté contrat verbal là non. Yo ka di kon sa ou ka prouvé m kote m te di tel bagay, ou ka di prouvé m OK, l'el fin fon bagay soit le révoqué. Li révoqué c'est salarié là injustement. Ouais. Li pensait que salarié pas ka intenté en action en justice contre lui parce que le jour li pas écrit quelque part que le gon contrat avec elle. Dare mon fon ti plus accentué sur ça. Bon, bien entendu ça arrive, mais il y a une disposition légale qui joue en faveur du travailleur là. Par exemple, si affaire l'emporter devant le tribunal du travail, le tribunal là lui-même a des mesures qu'il est capable d'ordonner pour jouer une vérité. Par exemple, une enquête. Par exemple, une visite des lieux. Okay? Il doit toujours, par exemple, besoin d'entendre des témoins pour le effectivement est-ce que mon étape travail. Mais ça qui est certain, c'est que pas gagner relation de travail en dehors d'un contrat de travail, qu'il soit écrit ou verbal. Bien entendu, on doit pas trop penser que l'intelligent, il pas écrit rien, mais qu'un contrat. Et qu'un contrat, un contrat ça peut pour du plein effet. On t'a vraiment cité pour nous tous quelques éléments que nous devons vérifier avant de signer contrat de travail là. Bon, OK, très bien. Alors le contrat, il n'y a pas une forme sacramentelle pour la rédaction du contrat. Mais si c'est un contrat individuel de travail, il y a des éléments essentiels qu'on doit jouer là-dedans. Et l'élément essentiel, ça yo, c'est l'article 22 du Code du travail là qui est baïol. OK? Article 22 précise l'élément qu'on doit jouer dans un contrat de travail lorsque l'écrit. OK? Quand il y a pour contrat collectif de travail là, quant à sa forme, sa durée, les clauses à insérer, les clauses qu'il ne faut pas insérer, on va se référer aux articles 63, 64, 65, 66, etc. Du code 69. Il y a même plus concerné contrat collectif de travail. Article 7 du code du travail. Là. Bien entendu, comme citoyen commun, le législateur a un privilège que le banou, c'est l'autonomie de
l'autonomie contractuelle, c'est-à-dire que nous sommes libres de conclure des contrats. Son seule réserve, nous devons respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Alors, contrat verbal là, même les que le pas écrit, mais il est gouverné par un ensemble de principes que les statuts lui-même qui est en prévoir. Voilà. Mm-hmm. Donc, en cas de conflit, ou capable toujours aller dans le code civil là, ou toujours capable aller dans le code du travail là, ou même capable aller dans les usages qui sont sous tout de droit du travail, façon que vous habitué à faire dans la zone, façon que vous habitué à faire dans l'entreprise là. Et bien, je dis là, lui-même, en cas de conflit, capable toujours inspirer des usages pour le trancher valablement. Ouais. D'accord. Mm. Magistrat, parlez-nous un peu de qui ça qui conflit de travail là. Ok, dans le code du travail, il y a un chapitre qui relie les conditions du travail. Il y a plusieurs points là-dedans. Il y a par exemple durée du travail, il y a par exemple le repos hebdomadaire, les jours fériés, il y a par exemple le congé annuel payé, il y a par exemple le travail de nuit, etc. etc. Bien que le travail de nuit, on y a, il vient presque pas qu'un bé avec loi 3-8 là, loi qui était sortie en 2017 là. Parce que loi appelée loi 3-8 là, il dit que le travail a fait la nuit, que le fait la journée, tout payé sur la même base. Il n'y a pas de trop importance encore pour étudier le travail de nuit. Il y a salaire. Ah, j'ai une durée de travail pour moi. J'ai un horaire, par exemple, 8 heures par jour, 48 heures par semaine. Et à la minute où je vais aller au-delà, je vais entrer dans un régime qui aurait le régime des heures supplémentaires. Alors, une heure supplémentaire n'est pas payée de la même façon avec une heure de travail ordinaire. L'heure supplémentaire doit être payée avec un taux majoré, une majoration de 50%. Imaginez que je travaille pendant une heure supplémentaire et je ne vais pas payer. Yo PM ni en tout cas au PM ni tant qu'on heure de travail ordinaire là qu'a un conflit. Imaginez que me fait 12 ans 12 mois m'a travail patron pas veut ban me congé, a un conflit. Imaginez que ni pas veut ban me repos hebdomadaire, c'est-à-dire que me fait 6 jours m'a travail, 7e jour c'est pour me reposer ni pas PM ni, a un conflit. Alors conflit de travail là c'est un chirépite. Son chirépite qui vient paraître qui fait. Mais qui ça qui ba nécessaire chirépite là, c'est parce que conditions de travail pas respectées. Oui. Conditions de travail, les gens qui ont défini dans le code du travail là, conditions de travail, les gens qui ont défini dans le contrat de travail là. Depuis que vous ne respectez pas, c'est un conflit de travail. Évidemment. Bien entendu, conflit a souvent ampleur, les capables individuels ou collectifs. Si par exemple, c'est un monde qui est en conflit avec le patron, individuel. Si dans l'entreprise là, il y a 100 monde qui travaillent 5 ans en conflit avec le patron, l'entreprise a toujours fonctionné, l'individuel, même avec 5 monde. Voilà. Mais si par exemple ces syndicats qui lancent par exemple une autre grève qui vient entrer en conflit au point que l'entreprise n'a pas qu'à fonctionner, laisse ça automatiquement ou en présence d'un conflit collectif de travail. Et selon que ou en présence d'un conflit individuel ou d'un conflit collectif, on marche à suivre, on bagaille pour faire. Si c'est un conflit individuel, ok, si parti va arriver en temps, on peut aller dans la direction du travail. Sa direction de travail, même pour le faire, il va avoir une première convocation. Si première convocation, à la première convocation, mon n'a pas venu, à la deuxième convocation. Si mon n'a pas venu à la deuxième convocation, finalement, il va y avoir une injonction. Et le dossier, au bout du compte, il va le déférer devant le tribunal de travail. Mais si nous plutôt en présence d'un conflit collectif de travail, là, parti a pour obligation de mettre sur pied des délégations pour y aller négocier. En cas d'échec des négociations, il va falloir saisir la direction du travail. Qui lui-même, dans tout conflit de travail, que ce conflit individuel, que ce conflit collectif, il est intervenu en qualité d'amiable compositeur. C'est-à-dire, il est entré dans le bagaille là pour qu'il y ait une entente entre les, entre les parties. Mais là, après le temps de déléguer, c'est une délégation. Délégation, tu es poussé à négocier. Négociation pas abouti à un bagaille satisfaisant. Si là, il finit de déléguer, il y a tout ça le fait. Problème ne va pas résoudre. Eh bien, direction du travail, la bouée dossier soit devant le comité d'arbitrage, soit devant la commission tripartite de consultation et d'arbitrage, que avant de retirer le conseil supérieur d'arbitrage. Oui? Et finalement, si c'est un conflit individuel, le bras aller dans le tribunal de travail, si c'est un conflit collectif, c'est soit comité d'arbitrage, non, comité d'arbitrage, ou bien tribunal du travail. Tribunal du travail, si bien la part, il résout, il apprend un jugement, si pas satisfait de jugement, pour aller en cassation. Mais si affaire a été portée devant le comité d'arbitrage, si pas satisfait finalement, pour aller devant la commission tripartite de consultation et d'arbitrage qui avait autorisé le conseil supérieur d'arbitrage. Alors, conflit a, c'est un, pas de son nécessité que lié, mais son élément lié dans la vie à tout. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours un conflit. Mais pendant que le conflit a,
faut que parti connaît que nous non cadre démocratique que n'a pas évolué faut respecter l'autre. Nous capables toujours dialoguer, nous capables toujours discuter pour nous joindre une solution. Voilà. Oui, au cas de nous qui organise public qui est intervenu dans relation travail. OK. Alors, relation de travail au départ, yo concerne patron avec salarié. C'est eux même qui acteurs principaux. Mais pas oublier, il y a l'État. Eh bien, principal organisme public qui entre dans cause là, yo relé le ministère des Affaires sociales et du travail. Ministère des Affaires sociales et du travail, son grand service public, son ministère. Mais en dedans, on a besoin de plusieurs services, plusieurs organismes. Des organismes tels que l'ONA, des organismes tels que l'OFATMA. L'ONA et l'OFATMA sont deux organismes autonomes. Mais encore que autonomes, ils ont relevé directement de la tutelle administrative du ministère des Affaires sociales et du droit et du travail. Mais bon service, même qui est dans le ministère, il est direction du travail. Lui-même, c'est comme s'il s'était d'union entre patron et salarié. Depuis qu'il y a un problème, il faut que informer. Il y a un mot pour vous le dire. La direction du travail. OK? Bien entendu, chaque organisme qui a un rôle par yo. Tant que soit travaille dans une entreprise privée, obligatoirement, il faut qu'on soit assuré ou non. Faut qu'on soit assuré ou non. Patron prend 6% dans salaire. Et là, prend un montant dans le copal qui correspond à 6% dans salaire. Ce qui donne 12% la baille ONA mensuellement à titre de cotisation. Mais vous avez le baille ONA. C'est lorsque vous avez 20 ans et plus années de service, vous n'avez pas qu'à travailler encore pour ONA pour une pension. Au Fatma. Au Fatma, entre dans la cause à tout. Mais au Fatma, contrairement à l'ONA, pas baille pension lui-même. Au Fatma, baille assistance médicale et assistance pécuniaire. C'est-à-dire, sous victime d'un accident du travail, en cas de maternité, en cas de maladie, etc., c'est au Fatma qui entre dans la cause. La bonne soin médical, la bonne médicament. Et si par exemple, vous victime d'un accident du travail, et qu'entre-temps, pendant un certain temps, vous trouvez une impossibilité pour travailler, il y a pour le bon assistance pécuniaire. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est sur le plan national. Il y a. Si vous avez un conflit, les bagages dépassent la direction du travail, c'est le tribunal de travail. Si vous n'êtes pas satisfait de jugement tribunal de travail, là, ou pour aller devant la cour de cassation, nous voyons tout ça sont ensemble d'institutions publiques qui entrent dans la cause de travail. Mais tout, sur le plan international, il y a d'autres institutions qui entrent dans la cause de travail. Là. Même là, que nous en Haïti. Soit pour, par exemple l'ONU. Chaque traité préfète qui crée l'ONU, l'Assemblée générale a investi dans le pouvoir, c'est un problème dans le pays, il est capable de dire mot parle. Mais il y a une institution dans l'ONU qui sont institutions spécialisées, qui ont les organisations internationales du travail, OIT. Eh bien, OIT sont organisations qui ont pouvoir quelque part à relation de travail. Au point que OIT sont plateforme côté que une ou deux fois par année, chaque État qui m'a été voyant une délégation pour aller discuter. Discuter, ils sont capables même de déboucher sous convention. Ils sont capables d'adopter des conventions. Par exemple, Haïti, je crois, à ce jour, a ratifié près de 25 conventions de l'Organisation internationale du travail. De ces 25 conventions, il y a 24 qui sont en vigueur. Il y a des protocoles, il y a des recommandations qu'ils ont été capables de faire tout. Est-ce qu'on comprend? Alors, il y a tout panoplie d'organismes qui entrent dans la relation de travail. Donc, la relation de travail n'est pas arrêtée seulement. Bagay qui concerne les patrons et salariés. Il concerne l'État, il concerne des institutions à caractère supranational. Notamment, vous font-il parler avec directeur ONA, directeur FATMA, tout le monde sait pour prendre le travail en main. Parce que grand pile entreprise qui amuse yo reprend 6% sous salarié a. Par contre yo même yo pa jam paye ONA. Bon fonda fond lance un appel avec directeur pour faire travail yo y a prend comme ouais. Là sous employé a. Par contre yo pa paye ONA. Oui bon c'est okay. Là mon al ouvri compte li et puis l'engagé yo pa jam paye ONA pour li. Au Fatma tout nous gon l'autre problème avec au Fatma yo dit que ou paye assurance au Fatma. Par contre, l'on besoin de service au Fatma, on doit faire 2 ans
Wap monte descend nous pas jamais quand je service là. OK, oui, en fait oui, ça sont moi même particulièrement ça arrive pour lunettes moi ou verre moi. Ça arrive. Deux ans fait m'a monter descend au Fatma, yo pas jamais rembourser mon cob là jusqu'à ce que m'abandonner. Oh ouais, gien petit problème t'a déplayer ça. Mais bien entendu directeur là on a même. On a gagné un ensemble de fonctionnaires qui est là pour ça. Mm-hmm. Par exemple, des inspecteurs. La loi fait obligation pour faire des inspections au niveau des entreprises à intervalles réguliers. Bon, au point que, sans attendre qu'on doit aller dans l'entreprise là. Et c'est tout qu'on entre dans l'entreprise là, on doit demander patron communiquer au grand cahier qui a une liste personnelle, etc., etc. Yo capable demander pour faire une visite accompagnée bien entendu dans centre d'entreprise. Parce que qu'une provision légale travail là doit pas fait. Mais la loi qui t'en prévoit, nous prendre dans qui gens nous capable procéder pour nous faire travail là. Qu'on y a là ça qui gagne un patron par exemple qui pas qui prend cob là. Bon il fait fausse déclaration. À plus forte raison qu'on y a s'il prend cob là, il prélever cob là, il pas bailli, ça sont infraction à la loi pénale et gain sanction pour lui. Soit l'article 129, je crois. Oui, 129 de la loi organique. Et 129, on peut que il y a des sanctions. Il y a une amende à la première infraction, une amende de 100 goudes. À la deuxième infraction, le double de l'amende. À la troisième infraction, sur la demande de l'ONA, le commissaire du gouvernement, près le TPI, peut citer, n'est-ce pas, l'employeur coupable ou correctionnel. Et il y a une peine non, c'est capable de retrait de la licence, etc. Bon, nous sommes capables d'estimer que peine est trop faible. Pas de problème. Mais ça qui est important, c'est qu'on commence à appliquer. C'est ça qui est intéressant. Mm-hmm. Peut-être si on a un début d'application, ce début d'application peut avoir un rôle dissuasif. Qu'on est capable de pousser l'autre employeur potentiel qui doit venir engager dans voir ça va faire. Parce que, comme on comprend, l'homme fait 20 ans de travail, 25 ans de travail, c'est juste qui est en bail. Qu'on est au soir de sa vie, il faut être capable de une pension. Les gens qui fin fait ville la travail kounia soit que les vin trop âgé soit que les vin invalide comprendre les vin trouver l'incapacité de travail kounia l'aile pas journée pour moi même son injustice que lié il faudrait redresser les taux en ce sens. Oui, n'a pas les brièvement de syndicat en Haïti, enjeux et perspectives. Bon, syndicat, mouvement syndical, alors faut connait que syndicalisme en lui-même son mouvement berceau c'est le continent européen mais surtout les pays industrialisés, pays qui étaient OK en voie d'industrialisation au moment même où la révolution industrielle s'est produite en Angleterre. Eh bien les ouvriers travaillent parce que en fait le droit du travail a évolué et c'est m'a reprendre les propos d'un professeur comme Gérald Lyon-Camp de que travailleurs yo mouvement travailleurs yo gon dans premier temps yo gon dimension quantitative dans deuxième temps yo pral gon dimension qualitative. Comment professeur Gérald Lyon-Camp expliquer ça? Eh bien dans premier moment yo ouvrier yo pral organiser yo pour demander par exemple réduction du temps de travail, yo pral organiser pour demander par exemple augmentation du salaire. Là ouais bah quantité qu'a parlé. Yo pour organiser yo pour demander des choses comme ça. Mais par la suite, les que au fin juin ni qu'on yo pas demander des bagages, par exemple, toujours dans aspect quantitatif là, yo pas demander la possibilité pour eux d'aller en grève lorsqu'ils ont des revendications et que ces revendications ne sont pas satisfaites. Yo pas demander la reconnaissance légale bien entendu de la liberté syndicale. Mm-hmm. Possibilité que yo doit gagner pour capable organiser en syndicat. C'est comme ça, les premières expériences faites dans des pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme la France, comme l'Italie, mouvement syndical là pour déborder le continent européen, qu'on y a pour aller prendre d'autres continents, notamment le continent américain. Mm-hmm. Mais entre-temps, il y a un mouvement socialiste, il y a un parti communiste dans de nombreux pays, militants communistes en communication, il y a une visite, il y a un voyage qui a fait. Donc, nouvelle lavine tombée par bord ici tout. Mm-hmm. Nouvelle lavine tombée par bord ici. Au point que, dans le courant des années 30, nous avons un intellectuel haïtien qui est Jacques Comin, il a créé le Parti communiste haïtien. Mais il y a l'autre mouvement, il y a l'autre parti de tendance de gauche. Et c'est nous là. Qu'on y a dans, au début des années 30, parole syndicat parlant d'un pays sérieusement.
Et à la fin des années 30, au début des années 40, qu'on y a commencé à gagner des tentatives, dans les faits, il y a eu un cap campé syndicat, etc. Mais pour un cadre légal. Cadre légal, là, pour le paraître pour la première fois, on dit cadre légal, en tout cas, une référence, une garantie constitutionnelle. C'est avec la Constitution de 1946, en son article 19, qui pourra reconnaître pour la première fois le droit, n'est-ce pas, la possibilité pour les ouvriers de s'organiser en syndicat. Mais le cadre légal, là, pour le définir véritablement, c'est en 1948. Et depuis, on parle que toute constitution haïtienne, on peut reconnaître aux travailleurs le droit de se regrouper en syndicat. Même avant le cadre légal, là, de fait, il y a des tentatives de syndicat. Et là, l'ouvrage de Maître François Latortue, le droit du travail en Haïti, je parle de que le premier syndicat connu en Haïti, il était fait en 1905. Son groupe coordonné qui était tête ensemble fait le premier syndicat haïtien. Mais malheureusement, le syndicat, ça va pas vivre longtemps, à peine s'il était duré 3 ans, 3, 4 ans. Il disparaît, tu ne peux pas écouter le fait. Okay. Mais l'idée pour le reprendre, par la suite. En gros, mouvement syndical en Haïti, c'est un mouvement, histoire un peu triste, avec estimé. On est capable de dire que c'est la naissance du mouvement syndical. On est capable même de dire que c'est à ce moment où le mouvement syndical a atteint l'apogée. Mais après le coup d'État du 10 mai 1950, le mouvement syndical a pris pile calotte. Surtout avec la montée de Dr. François Duvalier comme président en Haïti. Eh bien, avec François Duvalier, le mouvement syndical a pris en chute. Et chute l'a continué, même les petits garçons, Jean-Claude Duvalier, d'avoir succédé. Quand il y a un mouvement syndical, là, le renouveau du syndicalisme haïtien, il va recommencer après le départ de Jean-Claude Duvalier en 1986. Mais quand il y a un constat qu'il fait dans le monde, le mouvement syndical est en crise. Le mouvement syndical est en crise, c'est-à-dire que il y a très peu d'intérêt pour un peu le monde pour regrouper un syndicat. Nous venons voir que, surtout en Haïti, que syndicat, la plupart du temps, ça qui a été comme travail, comme objectif, il est passé à côté. Bref, le code du travail, il détermine le cadre normatif pour le syndicalisme. Alors, soit les articles 200, combien, suivant du code du travail, pour lequel parle de syndicat. Il parle de que, il y a quatre types de syndicats. Il y a un syndicat professionnel, il y a un syndicat mixte, il y a quatre types de syndicats. Et pour déterminer toutes conditions pour remplir pour former syndicat. Par exemple, en entreprise, pour que un syndicat, il faut au moins un tiers personnel. À peu près, oui, qui peut faire syndicat. OK? Mais ou bien droit pour faire syndicat, son droit lié. Soit les articles 35 et suivants de la Constitution, ou après liberté syndicale, son droit que lié. De pour ces travailleurs, que dans le secteur public, que dans le secteur privé, ou bien droit pour faire syndicat. Sous réserve de certaines conditions, bien entendu. Sous réserve de certaines conditions. Là. Et puis, syndical a une mission tout. L'offre syndicale, c'est à quelle fin? C'est dans le souci d'assurer la défense de vos intérêts économiques, moraux, sociaux, professionnels, culturels. Syndical a mission, c'est travail pour que doit ouvrir capable de respecter en entreprise. Et ça fait que ça soit dit à l'heure. Si en entreprise a un syndicat, et que le syndical a conséquent à tête, il n'y a pas besoin d'accepter. L'étape très difficile pour que le patron fasse prélèvement et que le pas ait un titre de cotisation au niveau de l'ONA. C'est parce que justement, il y a un faille, il y a un problème, il y a un côté, il y a un vide. Il y a un vide, pas un syndicat, il y a toujours un souci à faire. Voilà. Et puis, syndicat généralement lié à la politique. Parce que la mission lui-même, c'est assurer la défense intérêt membre. Ok? Il y a des détails, les patrons entrent là-dedans. Il y a des bagages qui sont entrés là-dedans comme syndicat, ou capable de dissoudre le syndicat. Alors comprenez, qu'on y a là, si nous avons un cadre normatif de syndicat, pas oublier Haïti, c'est membre fondateur OIT. L'OIT a été créé dans le cadre du traité de Versailles en 1919. Haïti, c'est membre fondateur de l'OIT. Qu'on y a OIT lui-même, qui est convention numéro 97 là, sur le droit syndical et la liberté syndicale, qui lui-même est capable de compléter avec disposition du code du travail là, qui parle effectivement de la formation des syndicats. Alors pour terminer avec cette question, il y a le syndicalisme et les syndicats. Le syndicalisme, c'est plutôt un mouvement. Un mouvement que la donne ou joint un aspect dans la lutte sociale. Le syndicalisme, c'est plutôt une institution dont la vocation est d'assurer la défense de ses membres. Ok. D'accord, merci, magistrat. Rapidement, conclue pour nous. Bon, alors, c'est vrai que nous n'avons pas dit trop grand-chose aujourd'hui.
mais m'estimer que quand même son début. Oui, nous dit l'essentiel tout. Oui, nous dit l'essentiel son début. Mm-hmm. Donc si son début, il est capable de continuer. Ah oui, on va avoir l'autre prochaine invitation magistrat pour nous plus élaborer sur question ça. Très bien. Alors sans prise de contact, je suis très content que nous t'ayons avec nous après-midi. Nous commencer peut-être qu'on ira dans la prochaine séance si n'a fait nous capable plus étaler son point précis, une ou deux points précis. D'accord, alors tout privilège c'est pour moi-même, tout quel content c'est pour moi-même, c'est que du fait que m'était avec nous après-midi. D'accord, merci magistrat et merci à tout le monde qui t'a rendu l'émission ça possible et n'a profité pour nous remercier tous les sponsors nous yo et Loto Lakay SA Saint-Jean Loto avec maquilleuse nous Ludia et pour nous café belle make-up et si nous j'en ai gardé nous là nous très éclairé et puis tout n'a joigné dans 34 non pardon 33 44 93 68 33 44 93 68 Merci beaucoup magistrat, merci Christophe, merci tout super branché Canal Bleu. Au revoir. Au revoir. On parle tout bagay. C'est une émission socio-culturelle qui a bien pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a pas les toutes bagailles? Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branchée.